Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Wow. Ok. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a par là? Antidote, ça s'appuie par contre. Qu'est-ce qu'on a là? Bon là ça pue le boss, on est d'accord. Cool. Je sais pas où ça amène, mais cool. Ah, super! C'est une bonne chose. Là, on peut toujours pas y aller, quoi. On a quoi?
Hein? Ah, ça explose en plus. Waouh, la chatte! Ah, ça fait tomber là, d'accord. Là où il y avait le coda. Ok. Ça va être chiant, ça. Je regarde un peu s'il y en a d'autres à faire péter. Ça, ça a l'air de pouvoir, mais... On verra bien. Ah, d'accord. Ah ben non. Ah. Non, ça s'en est pas. Hein. Boss ou pas boss ? Même pas ! Mais j'ai complètement oublié un yokai alors ? Un coda ? Ah, est-ce que c'est ça? Dites-moi qu'il est là. Il y a rien là. La carotte. Wow. Ça, ça fait plaisir à voir. Bon, ça c'est le boss, c'est certain. Ah.
Putain, bordel, j'ai loupé un coda. Alors, est-ce que le boss, c'est le dernier étage? Ouais, ça a l'air. Il est même pas là, le coda. Putain, on a loupé un coda. Là, c'est sûr et certain, c'est le boss. Va falloir qu'on aille plus vite, donc pas une zone que j'aurais pas ouverte par hasard. Ah. Fausse joie, bordel. Putain de fausse joie.
Où est-ce que j'ai pu le louper, quoi? Ouais, je la trouve carrément adéquate, hein, cette armure. Rapide, pour le katana c'est super efficace. Moi j'ai rien à y redire. Hein. Là j'y suis allé. Là je l'avais fait. C'est ici que je voulais aller. Ok, c'est combien de coda? Ah mais non! Je les ai tous! Mais je croyais qu'il m'en manquait un! Putain, j'hallucine! Putain, mais je suis con. Je pensais qu'il m'en manquait un, moi. Bah non. Putain, mais quel débile. Attendez. C'est un esprit de quoi? Est-ce que ça c'est du vent? Vent? Terre. D'accord. Bah voilà quoi. Oui, pourquoi j'ai fait ça alors que j'aurais pu passer par... Oui. Non ! Putain. On va pas passer par là. Mauvaise idée. C'était pas par là. Lol.
Voilà. Alors. Ça, on s'en fout. Alors, équipement. Résistance foudre, non, on n'a pas un résistance feu. Il n'y a pas, ok, alors. Résistance feu, voilà. 4 grands chefs. Résistance eau, résistance foudre. Parce que je sens qu'on va en avoir besoin d'un pour la résistance de foudre. À la rigueur, ce qu'on peut faire. Là on n'a pas de résistance. Ah si, là. Ouais mais c'est inférieur. Chier. Et là. Résistance fou. Ouais ça a l'air d'aller. Et que je me gourre pas avec l'amulette de voyage. Et on est parti. Je sais pas qui ça va être, mais... Mais tu es qui, toi? Toi, t'es stylé. Antamo, unga nai ne. Ouais, déjà il shit. Thank you.
Oh putain. Vous vous rendez compte de la route qu'on doit faire à chaque fois? C'est une perte de temps monumentale, quoi.20 minutes later.
Et ben voilà. Putain, j'hallucine, j'ai reçu deux fois la même tenue en plus. Complètement ridicule, quoi. This castle will fall. Run while you can. Nani o yute oru. Tou ni kakugo wa kimete oru. Samurai wa shiro o makura ni uchiji ni suru nomi. What are you waiting for? Onushi wa kandou yori nigei. わしの道連れはお主ではない。こやつらとあやかしどもじゃ。早く行かんか。お作り人の争いはお主が肩をつけ。殿の手を煩わせる伝来は。 最後の夜、殿とは今生は武田という芸にも恐ろしき者たちと共に戦った間柄、今更言葉など入り申さぬ。殿が太平の世 Suzaku. Les récits quand il narre à la troisième, enfin pas la troisième personne, mais en espèce de d'artwork, là je trouve ça magnifique. Ça colle énormément bien à Nioh. En général, je suis pas fan de ce genre de pratique. Par exemple, je trouve que ça passe mal dans un Metal Gear. Mais là, je trouve que la narration passe super bien. Avec cette espèce de ce... bien que Mitsudari se soit préparé, mais ça n'est pas grâce au sacrifice de Torimoto Tada, les troupes des Mitsunari furent repoussées, donnant l'avantage de la prochaine bataille. Je soupçonne le seigneur Ieyasu d'avoir dès le début quelque chose qui se déroule ainsi. La mission, le Zen et l'épée ne font qu'un, a été ajoutée au dojo. La mission les plus sinistres lames ont été ajoutées au dojo. Acier contre acier a été ajouté au dojo. L'invincible. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Tout ça.
Guerrier légendaire de Mikawa. Ah, les armures 90. Ah, ça va pas plus haut que 90-99, d'accord. Non. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est une grosse erreur que j'ai faite quand j'ai forgé sous la direction de mon grand-père pour la première fois. Ça fait une journée terrible. Oh, d'accord.